Allez les amis, c'est parti, guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La clarté, l'évolution, donc les choses qui s'éclairent petit à petit, les choses qui peut-être étaient dans l'ombre jusqu'à maintenant qui sont mises en lumière, les amis. En tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus de soleil dans votre vie et que votre vie s'éclaire davantage. Il y a eu peut-être jusque-là des mésententes, hein, parce qu'il y a cette notion de mésentente. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des tensions intérieures. Peut-être que vous avez traversé des mésententes dans quelque chose ou le fait de ne pas être bien dans un engagement, que ce soit un emploi, une relation. Voilà, et il y a des choses qui sont mises en lumière par rapport à ça pour que vous puissiez sortir justement de cet état de mésentente. Donc pour moi, il y a quand même cette notion de vie qui s'éclaire, de choses qui se clarifient, les amis, pour dépasser justement tout ça. Avec l'évolution et la mésentente, c'est qu'il y a la notion de vous allez réussir à sortir soit d'une dispute, soit dans un endroit où vous n'êtes pas bien, soit dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien, soit voilà toute forme d'engagement hein, avec cette mésentente. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. Vous allez peut-être mettre la lumière sur quelque chose qui vous fait barrage dans votre vie pour pouvoir continuer votre évolution. Là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais avec la clarté, les choses vont s'éclairer pour que vous puissiez sortir justement de cette mésentente, de ce conflit, de ces tensions, pour aller vers une belle évolution, les amis. Il y a une notion de rêve. Peut-être que certaines personnes ont à cœur de réaliser des rêves et n'y arrivent pas. Peut-être que certaines personnes ont des obstacles intérieurs qui les empêchent d'accéder à leurs rêves. Peut-être que tout simplement, vous êtes dans une situation ou quelque chose qui vous empêche d'avancer. En tout cas, on voit que progressivement, les choses vont s'éclairer. Progressivement, vous allez reprendre votre belle évolution. Et progressivement, vous allez sortir de cette mésentente intérieure ou dans une relation ou une situation pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que certaines personnes se font obstacle à elles-mêmes. Peut-être que voilà, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, aujourd'hui, les choses vont se lever. Les choses vont s'éclairer, on est en train de me dire. Vous allez pouvoir reprendre votre évolution quelque part, même si on la perd jamais. Hein, l'évolution, je pense qu'on évolue. En tout cas, c'est ma façon de voir. Vous prenez que si ça vous parle. En tout cas, avec l'évolution et la clarté, ça signifie quand même que vous avez peut-être traversé des choses qui n'ont pas été simples, qui ont peut-être été compliquées, mais que les choses vont progressivement s'éclairer, les amis. Regardez, il y a les rêves et les bénédictions. Vous allez peut-être être guidé aussi par l'univers à sortir de choses qui vous font obstacle à l'heure actuelle pour aller vers un rêve ou quelque chose comme ça. On nous parle de bénédiction, donc peut-être d'être guidé vers quelque chose qui vous correspondra mieux, d'être guidé vers quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, en tout cas, on voit que les choses pour moi s'éclairent et c'est vraiment ce que j'entends depuis le début de ce tirage. Les amis. Donc vous allez peut-être sortir progressivement d'une mésentente, de quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien aussi. Hein, voilà. Vous aviez besoin peut-être de vivre ces expériences pour pouvoir grandir, évoluer, mais qu'aujourd'hui les choses vont s'éclairer parce que pour moi il y a cette notion de passer à autre chose. Voilà ce qui me vient les amis. Et j'ai vraiment l'impression que beaucoup ont été peut-être soumis à des hauts et des bas ou ont été dans une confusion ou avaient du mal à voir leur chemin. Et là, on dirait que ça va s'éclairer d'un coup. J'ai vraiment cette notion de lumière qui revient dans votre vie, d'éclaircissement de situation. Les choses s'éclairent. Hein. Ouais, avec l'eau, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotionnels qui ont été compliqués à gérer peut-être. Mais on voit qu'avec la clarté dessus, qui est quand même les trois premières cartes, c'est vraiment l'énergie principale. Je pense que justement, vous allez sortir de cet état de tristesse où les choses ont été un petit peu compliquées, les amis. Voilà ce qui me vient. Ouais, il y a encore l'élévation par rapport à tout ça. Je pense que les choses, elles vont progressivement s'éclairer dans votre vie et que justement, vous allez pouvoir sortir de ces tensions, ces disputes, ce chagrin. Peut-être que certaines personnes ont eu de la peine. Peut-être que vous avez traversé des choses compliquées et on nous parle de changements bénéfiques qui arrivent avec l'élévation dans votre vie. De toute manière, avec les rêves, la bénédiction, l'évolution du soleil qui revient dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment cette notion de sortir des choses qui ont été compliquées, de sortir des choses qui peut-être ont été lourdes à porter avec l'eau ou qui vous ont mis dans des émotions vraiment pas agréables.
C'était peut-être là justement pour vous en libérer. En tout cas, il y a un changement favorable et bénéfique qui arrive avec l'élévation et le changement. Donc, vous allez sortir progressivement et les choses vont s'éclairer de plus en plus dans votre vie. J'ai vraiment ce ressenti, et c'est ce que j'entends en clairaudience, hein, que les choses vont s'éclairer. Voilà, donc prenez votre mal en patience. Moi, je pense qu'il y a une transformation qui va se faire, du changement qui arrive, des choses qui s'éclairent pour que ce soit plus agréable à vivre pour vous, pour que vous puissiez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle de bénédiction, de rêve, donc vous êtes guidé, je pense, vers quelque chose qui vous correspond également. Hein, voilà ce qui me vient. Alors, jusque-là, c'était vraiment bloqué. Vous voyez, on a la clarté sur la tristesse, sur les obstacles, sur cette notion de mésentente, de dispute, d'engagement qui ne vous correspond pas, voilà, que ce soit une relation ou une situation. Donc on voit bien qu'il y a l'obstacle, hein, mais moi, pour moi, avec les cartes du dessus et les énergies, c'est que vous dépassez des obstacles, vous dépassez quelque chose. Pour moi, il y a des nouvelles qui ont été longtemps bloquées ou l'arrivée de quelqu'un qui a été longtemps bloqué qui arrive dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui arrive pour vous apporter des éclaircissements également. Vous n'avez peut-être pas vu quelqu'un depuis longtemps, et parce qu'on a quand même cette notion d'obstacle, et peut-être que cette personne revient dans votre vie pour des éclaircissements de situation et passer à autre chose. On a un engagement, donc soit il y a quelqu'un que vous avez longtemps attendu et ça va finir par arriver, parce que j'ai l'arrivée d'une personne ou l'arrivée d'une bonne nouvelle pour vous engager vers quelque chose, les amis. C'est peut-être ça aussi, cet éclaircissement. Par contre, avec le monde, j'ai l'impression que pendant longtemps, ça a été bloqué. Et là, ça se débloque, hein, sur le soleil, sur la clarté. Peut-être que vous avez eu des obstacles aussi dans une relation sentimentale. Il y a des clarifications pour sortir de cette mésentente et de cette dispute et aller de l'avant. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a peut-être aussi de nouveaux engagements qui jusque-là étaient bloqués. Et là, c'est le moment que ça se débloque et que vous allez poursuivre votre évolution et poursuivre vos rêves. Ça peut être, je vous dis, des bonnes nouvelles qui finissent par arriver, qui jusque-là étaient bloquées, ou des personnes qui rentrent dans votre vie et jusque-là, c'était bloqué. Et toutes ces personnes ou nouvelles qui arrivent sont là pour vous apporter des éclaircissements de situation, de la clarté, du soleil dans votre vie et sortir d'une notion où vous étiez peut-être bloqué avec la entente, et pour aller vers une belle évolution. Et avec les rêves et les bénédictions, vous dit que c'est favorable. Voilà ce qui me vient. Donc, très joli tirage. Moi, pour moi, les choses s'éclairent enfin. Pour certains, le soleil est de retour. Peut-être que vous l'avez longtemps attendu. Regardez, hein, on a vraiment toute la clarté sur toutes les énergies négatives. Le retour à la lumière, on est en train de me dire en clairaudience. Là, il y a eu l'enfermement, il y a eu les obstacles, il y a eu la tristesse, il y a eu les choses, et il y a peut-être eu des choses vraiment difficiles pour certains à vivre. Mais on vous dit que la lumière revient, en fait. La lumière revient dans votre vie pour vous aider justement à prendre de la distance, regardez, avec ces énergies qui n'ont pas été géniales. On voit que vous quittez une période où vous vous êtes senti peut-être très seul, ou peut-être que vous vous êtes vraiment enfermé sur vous-même. Peut-être que vous avez eu un état vraiment difficile à vivre. Avec la distance, on voit que vous en sortez, les amis. Et on a la meilleure carte du jeu. Donc, non seulement vous quittez cette situation d'enfermement, puisque le bateau va dans ce sens, et vous allez vers quelque chose de magique, vers quelque chose qui vous est destiné, vers quelque chose qui va vous rendre heureux. C'est la meilleure carte du jeu. Et avec le rêve et les bénédictions, c'est que peut-être également vous avez traversé des situations qui n'étaient pas faites pour vous, en fait, et vous êtes dirigé sur une destinée, sur un destin, sur quelque chose qui doit avoir lieu. Et là, c'est comme s'il y avait une redirection également pour sortir d'un conflit et aller vers quelque chose qui vous est destiné avec les rêves et la bénédiction, le miroir magique. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette notion de magie à l'œuvre, de la vie, de choses qui s'éclairent peut-être enfin, on est en train de me dire, de voilà. Et les cycles de la vie sont des cycles où on ne vit pas toute une vie dans un enfermement et des choses compliquées. C'est des hauts et des bas, c'est des cycles avec des bons cycles par moment et puis des cycles un peu moins rigolos par d'autres. Il y a vraiment ça. En tout cas, on voit que vous vous éloignez, les amis, de toutes ces énergies. Et il y a vraiment le retour à la lumière, au soleil dans votre vie pour aller vers quelque chose de plus positif et de plus favorable pour vous.
Donc, très beau tirage également. Il y a le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est quand même aussi pour moi, avec le soleil, c'est vraiment la notion de luminosité qui rentre dans votre vie. Regardez, on a le changement imminent. Et j'ai vraiment cette boule de soleil qui est sur les cartes dans cette guidance aujourd'hui. C'est-à-dire que le soleil revient enfin dans votre vie, tout simplement. Hein. On vous dit que vous avez eu besoin peut-être d'avoir un moment où il a fallu vous reconnecter à vous-même. En tout cas, il y a vraiment cette notion de retour à une reconnexion à soi également avec l'ancrage. Un retour à peut-être plus de stabilité dans votre vie. Un retour à des choses positives. Mais aujourd'hui, je le ressens vraiment comme une reconnexion à soi hein, et un éclaircissement du chemin. Voilà. Après, vous êtes guidé aussi peut-être avec le besoin d'ancrage dans une direction où il y aura plus de stabilité, plus d'équilibre, quelque chose qui vous correspondra davantage. Pour moi, avec le changement imminent et ces trois soleils, moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion. Après, on a le rêve et les bénédictions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de soleil qui revient dans votre vie. Voilà, de lumière qui revient dans votre vie après une période plutôt sombre, les amis. Voilà ce qui me vient. Allez, j'en prends juste peut-être une ou deux de celui-là. Et puis après, fidélité, sincérité. Je pense que vous allez vers une vie plus authentique, plus sincère, plus fidèle. Peut-être que sur votre chemin, vous rencontrerez des personnes qui auront aussi ces vibrations. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un où le fait d'être sincère et authentique avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes bloqué par vos peurs pendant un temps et que là, ça y est, les choses vont se débloquer enfin et que vous allez pouvoir vivre une vie beaucoup plus authentique. Peut-être que vous avez fait obstacle aussi à cette vie plus authentique ou au fait de faire rentrer dans votre vie des personnes qui sont sincères à cause de vos peurs. Là, j'ai l'impression, avec cette clarté, que vous allez dépasser vos peurs pour vivre une vie plus alignée, pour vivre une vie dans laquelle vous êtes fidèle à vous-même ou tout simplement pour attirer dans votre vie des personnes fidèles et sincères. Voilà ce qui me vient, les amis. Allez, je termine avec le tarot et une petite carte de mon oracle. Et j'aurai fini cette guidance qui est très jolie parce que le soleil revient enfin. On voit que vous avez été longtemps bloqué, les amis. Que longtemps vous avez été alors je dirais noirceur, mais dans une période sombre, je dirais. Longtemps on a essayé de vous apporter des choses pour vous faire sortir d'une situation, mais vous étiez peut-être pas prêt à le voir ou à le recevoir, les amis. Il y a eu des choses qui ont été bloquées, mais là on voit que les choses se sont débloquées, vont se débloquer, et vous allez pouvoir enfin sortir de ces difficultés, de ces obstacles et de ces tensions. Parce qu'il y a quand même la carte des conflits, des tensions sur la mésentente. Mais là, c'est comme si l'univers, votre ange gardien avec ses ailes, allait vous apporter une coupe que vous ne voyez pas encore. Hein. Vous voyez pas, vous n'avez peut-être pas conscience de cette clarté qui revient dans votre vie ou de ce qu'on va vous apporter, ce que l'univers va vous apporter pour arriver à concrétiser quelque chose. Voilà ce qui me vient. En tout cas, ça va vraiment vous permettre de tourner la roue par rapport à ces énergies-là. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une nouvelle phase où les choses vont être beaucoup plus faciles, agréables et douces, où le soleil vraiment revient dans votre vie et que vous allez quitter ces situations qui ont été bloquantes, qui vous ont mis dans des tensions, dans des difficultés, dans des disputes, voilà. Et l'univers œuvre pour vous apporter quand même quelque chose. Mais avec les yeux fermés, c'est que pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui arrive. En tout cas, pour moi, il y a cette notion de retour au soleil dans votre vie. Et je prendrai vraiment cette chose-là en message général. Et regardez, mes guidances, j'adore parce que il y a vraiment cette notion d'univers qui te prépare une surprise, donc quelque chose que vous ne voyez pas venir, et on nous parle encore de laisser agir l'univers. Donc je pense que l'univers, il va vous apporter des choses pour éclairer votre chemin, pour vous guider dans les bonnes directions, que vous ne savez pas encore qu'est-ce qui va vous amener, hein, parce qu'avec les yeux fermés, on ne sait pas. Mais il y a une notion de surprise qui va vous être apportée. Donc les amis, si jamais vous traversez ces énergies-là, vraiment, vraiment, c'est chouette parce que votre chemin s'éclaire et l'univers vous accompagne dans cette transformation. Voilà, chers amis, pour cette guidance. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye.